Hello ma girl, alors très heureuse de te retrouver dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes à Yaoundé, je vais te montrer une journée d'ambiance folle dans la ville de Yaoundé. Yaoundé c'est le plus doux au monde, oui ça les filles je vous rassure. Alors le programme d'aujourd'hui est très compliqué. Alors là on va se rendre d'abord au supermarché des Place parce que j'ai des petits achats à faire et question aussi de vous montrer ce supermarché très moderne, très chic quoi. Donc franchement je vais vous montrer tout ça. Après je dois me coiffer, aller au restaurant et ensuite terminer la journée en boîte de nuit. Tout ça je vais vous montrer de toutes les façons dans cette vidéo. Alors reste connecté, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que la bonne partie là c'est à la fin de la vidéo. Alors si tu as aimé la vidéo n'oublie surtout pas de liker, ça m'encourage, ça me donne encore plus de motivation pour te faire plein plein de contenu. Alors sans trop tarder, je vais te laisser avec la vidéo. Là nous sommes déjà arrivés au supermarché des Place, très 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 chic franchement. En tout cas je vais te laisser juste avec la vidéo, je vais te faire une visite guidée très rapide de l'endroit et tu verras de toi-même. Ok, super. On est au Cameroun, hein? On est au Cameroun. Oh, c'est bien beau. Ah ça? Oh là, on va chercher de l'eau, n'est-ce pas? Alors là, nous sommes à l'intérieur, c'est très propre, c'est très chic. Il y a plein de magasins également, surtout des magasins occidentaux qui se sont installés ici à Yaoundé. Donc, je trouve ça vraiment bien. Et aussi, il y a plein de magasins inoccupés. Donc, pour toutes celles qui ont peut-être envie qui sont à la recherche des magasins bien placés à Yaoundé, dans un grand centre commercial, c'est peut-être l'occasion idéale de vous faire connaître. Alors, je dirais plutôt d'aller, allez-y faire un tour et renseignez-vous comment vous pouvez avoir la place là-bas. Donc, comme vous voyez, tantôt, bientôt, Mango même va s'installer au Cameroun. Je sais qu'à Douala, il y en a déjà. Et même, j'ai aussi entendu comme Zara même compte s'installer également à Yaoundé. Donc, franchement, je trouve ça très bien parce que très souvent, les gens me demandent des accessoires, des habits de chez Zara. Je crois que maintenant, à Yaoundé, vous aurez la possibilité de retrouver toutes ces choses-là sur place. Donc, franchement, je trouve ça très bien. C'est une très, très bonne initiative là. Donc, ne tardez pas, allez-y. Un tour et vous verrez de vous-même. Alors là, on va finir nos petites courses à des places. Je vais rentrer à la maison, mais avant ça, je fais d'abord un détour au marché pour question de m'acheter des mèches parce que j'ai opté pour des rastas et la coiffeuse doit passer à la maison me coiffer. Et oui, donc c'est un peu ça. Donc après, on va rentrer à la maison, je vais me coiffer et en fait, je vais vous montrer en fait ma coiffure. J'ai juste, comme je vous ai dit, j'ai fait des rastas simples, très chic, comme je voulais. Voilà ma nouvelle tête, regardez comme c'est joli. Franchement, j'ai trop aimé. Et surtout, la coiffeuse, elle est très professionnelle. Ça ne m'a pas fait mal. Et aussi, ça n'a pas mis du temps. Hein. Franchement, en 2, 3 heures, 3 heures de temps, on a fini. Parce qu'elles étaient trois d'autres. En fait, une piquait et l'autre finissait les bouts. Donc, franchement, j'étais trop, trop, trop satisfaite de ma coiffure. Alors, ce que je vais faire actuellement, c'est aller. Donc, je vais d'abord me reposer et ensuite, j'irai m'apprêter pour aller au restaurant.
Alors, voilà. J'ai fini de m'apprêter, direction le restaurant. Alors là, j'ai passé la commande de la sole braisée avec des frites de plantain, de pommes également et une petite salade à côté. Franchement, à vous parler comme ça, j'ai encore la salade dans la bouche, c'était trop, trop bon. A few moments later. Mesdames et messieurs, la piste de danse nous appartient déjà. Allô mes gueules, la personne qui se moque de mes pas, je le bloque. Non mais franchement, c'était trop bien, on s'est bien amusé, c'était vraiment très très top. Vraiment, ce sont des petits moments comme ça qu'il faut penser toujours à faire avec son chéri, se défouler ou bien avec des amis. C'est très, très important. Alors, j'espère vraiment que ce mini-vlog, ce vlog Cameroun dans l'ambiance t'a plu. Si c'est le cas, tu t'abonnes, tu likes, c'est tout. C'est très important, ça me motive. Mais bon, tu n'es pas obligé, hein, tu fais vraiment comme tu veux. Alors, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!